Les obsèques de Lisa Marie Presley, 54 ans, ont eu lieu ce dimanche 22 janvier à Graceland, la propriété historique d'Elvis Presley située à Memphis, Tennessee. Son amie Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew Dirk, a assisté à la cérémonie. Les deux femmes s'étaient rencontrées aux États-Unis en 2009 et étaient rapidement devenues très proches. Ainsi, lors du service funèbre, la mère des princesses Béatrice et Eugénie a salué une femme extraordinaire. Au micro, Fergie a cité la reine Elisabeth II, « Ma défunte belle-mère avait l'habitude de dire que rien ne peut atténuer l'angoisse et la douleur de ces moments parce que le chagrin est le prix que nous payons pour l'amour. » Elle a également eu une pensée pour Priscilla Presley, la mère de Lisa Marie. La duchesse d'York a regretté, « Les mères qui perdent leurs enfants, il n'y a pas de mots pour ça. » Avant de poursuivre, nous sommes tous avec vous. Si vous tendez simplement la main, nous serons là. Je serai certainement là. Supérieure à photo, Lisa Marie Presley, qui sont les hommes de sa vie? La perte de sa sœur est Lisa Marie Presley est décédée le 12 janvier dernier d'un arrêt cardiaque. Au lendemain de sa mort, Sarah Ferguson avait partagé un émouvant message sur Instagram. Elle avait révélé, « Tu as été mon ami dévoué pendant de nombreuses années et je suis là pour ta famille pour la soutenir et l'aimer. Je suis profondément attristée ma sœurette, tu es dans mon cœur. » Un bel hommage pour celle qui fut la fille du King. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.